fake, tu fais du fake, cette vidéo est fake, c'est totalement fake. Les amis, pourquoi devoir encore se justifier? Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les potes. En tout cas moi ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, pas un coup de gueule, pas une vidéo rageante, mais une vidéo encore explication où c'est qu'on va devoir se justifier, c'est nul ça. Merci beaucoup à mon dernier soutien qui est Vico Vision, qui a rejoint la team Pika. À côté du bouton s'abonner, il y a un petit bouton rejoindre. Voilà comment on peut rejoindre la chaîne. Ça soutient beaucoup la chaîne et je vous remercie. Bon, pourquoi c'est fake, pourquoi c'est pas fake, je vais tout vous expliquer. Et vous allez voir, on va même aller sur les lieux du crime pour vous montrer que c'est faux quoi. Enfin, que ma vidéo est pas fake, que je fais pas de fake. Bon, les potes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens disent ça? Pour ceux qui comprennent pas trop ce qui se passe, je vais vous réexpliquer ce qui s'est passé. Il y a quelques jours, exactement, mon avant-dernière vidéo, j'attrape une trottinette électrique pêche aliment. Elle a fait 160 000 vues, 7400 likes, 410 likes et 800 commentaires. Sur ces 800 commentaires, je vous jure, hein, il y a une personne sur deux, mon gars, c'est énorme, qui disent fake, putain, tu me déçois, Pika fake, oh, joli jeu de mots, fake, désolé, mais c'est du fake, voilà quoi. Donc en fait dans cette vidéo avec Rafale, on a attrapé deux trottinettes électriques dans le vieux port de Marseille grâce à nos aimants. On faisait de la pêche à l'aimant, hop, il y avait des trottinettes, on les a pêchées. Et les gens en fait disaient fake parce que en fait je sais pas si les gens, si vous en fait, vous croyez que c'est nous on a jeté les trottinettes pour ensuite les repêcher. Ou sinon si vous dites fake parce qu'il y avait des trottinettes dans l'eau, du coup on les a récupérées. Mais du coup, c'est pas fake, puisqu'on a quand même pêché. J'ai mal à la tête. Bon, déjà, je vais éliminer un point, les amis. Ce n'est pas moi et Rafale qui ont jeté les trottinettes dans le vieux port. Dans le vieux port, il y a des milliards de trottinettes électriques. C'est à Marseille, quoi. Vous êtes jamais venu à Marseille ou quoi, les gars? Faites un tour à Marseille. Venez voir le vieux port, je vous jure. Il y a même des soucoupes volantes dans l'eau. C'est un truc de malade. Tout le monde jette n'importe quoi. Et du coup, je savais qu'en allant au vieux port avec les nouvelles trottinettes, je savais qu'on allait en trouver. C'était obligé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bingo, il y en avait. Alors on a repéré notre zone, on s'est dit tiens putain, là il y a des trottinettes, c'est parfait pour la vidéo. Du coup qu'est-ce qu'on a fait? Bah on les a repêchés. Pour mettre dans le titre, on a attrapé des trottinettes. Mais y a rien de grave. On peut pas dire que c'est du fake puisque j'ai mis quoi dans mon titre? J'ai attrapé une trottinette électrique dans ma vidéo. J'ai très bien attrapé une trottinette électrique. Mais non, tout le monde dit à telle minute on voit la trottinette dans l'eau. Mais bien sûr qu'on la voit dans l'eau puisqu'elle est dans l'eau. Le but c'est de la récupérer. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris en fait pourquoi les gens se sont acharnés sans être constructif. C'était beaucoup des fake, gros fake, tu fais du fake, 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 je me désabonne, fake, t'as changé. Enfin, moi, je vois pas le fake. Je vois pas le fake. Certes, on voyait les trottinettes dans l'eau, on essayait de les filmer le moins possible dans l'eau pour garder le suspense, le meilleur pour la fin, ce qui est complètement normal. Non, sans blague, dans mes vidéos, j'essaye vraiment de faire le meilleur pour la fin, j'essaye toujours de garder le meilleur pour la fin pour que les gens restent et passent un bon moment sur la vidéo, en fait, quand je dis, waouh, à la fin, il se passe ça et tout. Enfin, c'est pas que moi que je le fais, tout le monde le fait. C'est peut-être que des fois vous le voyez moins, mais tout le monde fait ça. Après, je dis pas que tout le monde a dit fake, hein. Il y a quand même 7400 likes pour 410 likes, c'est rien du tout. Et ça, je vous en remercie. Bisous sur la fesse. Et on peut très bien voir, rien qu'en début de vidéo, que oui, on voit la trottinette dans l'eau. Mais c'est normal de la voir, puisque quelqu'un l'a jetée et l'eau c'est transparent. C'est pas de l'eau pourrie, quoi. C'est la mer. La mer c'est transparent, on voit les fonds. Et pour vous prouver que c'est pas nous qu'on a jeté les trottinettes, vous avez deux opinions. De une, vous voyez que ma trottinette à moi, elle est vraiment dégueulasse. Il y a des algues dessus, enfin ça, vous voyez que ça faisait un moment qu'elle était dessus. Et celle de Rafale, ça faisait combien de temps à peu près? Pas longtemps, mais elle marchait plus. On a essayé de les rallumer, mais elle marchait plus. Et pour vous prouver encore une fois, encore plus, que c'est pas nous qu'on les a jetées, on va aller sur le vieux port maintenant et on va aller chercher des trottinettes électriques. C'est parti, let's go baby. Bon, on a fait un peu le tour du vieux port et là on en a trouvé une autre, regardez. Elle est juste là, là. Juste ici, je sais pas si vous allez la voir. Voilà, encore une trottinette de jetée. Une trottinette que je pourrais récupérer avec mon aimant. Mais voilà quoi, pour vous montrer comme quoi il y a plein d'autres trottinettes. On va continuer à marcher, vous allez voir, il va y en avoir plein d'autres. Regardez. Je vous dis, c'est pas du fake. On en a pas assez. Du coup les gars, vous voyez, j'ai trouvé une trottinette encore dans le vieux port, une deuxième trottinette et aussi une troisième trottinette que j'ai filmée mais que je sais pas pourquoi, ça a pas enregistré. En fait, elle était juste devant, elle était même neuve, mais voilà,
ça a pas filmé, dommage. Voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairci. Je fais pas beaucoup de vidéos comme ça où c'est que je réponds à des trucs et tout, parce que j'ai pas besoin de me justifier, je fais mes vidéos. Et si je veux faire un truc fake, je le ferai mieux que ça. Genre je vais pas faire un fake où c'est que c'est tellement cramé à 200%. Enfin même, je sais même pas pourquoi ça vous est pas passé par la tête de vous dire que c'est pas du fake tellement que c'est gros. Voilà la team Pika, j'espère que vous avez compris. Les potes, en tout cas on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici là, vous abonner juste là-haut, à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si jamais vous êtes toujours pas convaincu que c'est pas du fake ou quoi, enfin je sais pas, dites-le moi en commentaire, un commentaire constructif, et je verrai ce que je peux faire pour vous les gars. Moi, voilà, je me justifie comme ça, je vous ai montré qu'il y a encore d'autres trottinettes et que ma vidéo n'est pas du fake. Je vous dis à la prochaine, c'est Pika. Peace. Waouh, ce bail du futur quoi.